Le frère Zach a dit, Brother Zach said, quand Dieu appelle une personne à renverser une principauté, when God calls upon somebody to overthrow a principality, il lui donne des instructions. He gives him instructions. Et je vais appeler un couple. I'll call here a couple. J'ai cherché la dame l'autre jour, elle n'était pas là. Aujourd'hui, elle est là. I looked for the lady the other day, she was not there, but today she's here. Et est-ce que le couple Kwasi est là? Is the Kwasi couple oui, here? Allez. Pour renverser les principautés. To overthrow principalities. Il faut d'abord te poser la question. You must first of all ask yourself the question. Qu'est-ce qui leur a donné le pouvoir? Who has given them the power? Pourquoi sont-elles établies? Why are they established? Dans la famille ou dans ta vie? In the family or in your life? C'est à cause du péché. It's because of sin. Le péché que vous voyez n'est pas un simple acte immoral. Sin, as you can see, is not just a single immoral act. Le péché a des esprits. Sin has spirits. Quand Dieu parle du péché à Caïn, when God speaks of sin to Cain, qu'est-ce qu'il lui dit? What does he tell him? Le péché se couche à ta porte. That sin is at your doorstep. Il porte ses regards vers toi. It desires to have you. Domine sur lui. Overcome it. Donc le péché a des désirs. Non, il porte ses désirs. So sin has desires and it carries its own desires. Derrière un geste, behind a gesture, il y a un esprit. There's a spirit. C'est cet esprit-là qui te convoite. That is the spirit that converts you. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. That you don't know which spirit is leading you. Eux, ils croyaient qu'ils pouvaient invoquer le feu pour brûler les gens qui avaient refusé d'accueillir Jésus. They thought that they could call upon fire from heaven to burn down all those people who refused to accept Jesus. Mais c'est un esprit qui portait ses désirs sur eux. But it was a spirit which had his desire to have those people. Qui voulait les utiliser. Which wanted to use them. Qui voulait les manipuler. Which wanted to manipulate them. Quand tu tombes dans ce péché, when you fall in such a sin, tu es sous le pouvoir de l'esprit qui te convoite. You are under the power of the spirit that desires you. Tout ce que le serpent proposait à Ève, all that which the snake was proposing to Eve, le diable était juste à côté. The devil was just by the side, attendant que Ève soit éprise de convoitise. Just waiting that Eve should get covetousness into her, attendant que la séduction réussisse, waiting that deception should succeed. Et dès que Eve a vu que le fruit était bon à manger, and when Eve saw that fruit was good for food, et agréable à la vue, and pleasing to the eyes, et précieux pour ouvrir l'intelligence, and precious to open up one's knowledge, elle est tombée. She fell off. Et ce n'est plus le fruit, ça devient Satan. And then it was no longer the fruit, it was Satan. Donc derrière les idoles, so behind idols, derrière les choses qui s'accrochent à nos cœurs, so behind things that stick to our hearts, derrière les choses auxquelles nous nous affectionnons, behind things that we desire, that we are affectionate about, il y a un esprit. There is a spirit. L'esprit du prince de ce monde des ténèbres. The prince of this world of darkness. Il est dit que nous étions morts par nos offenses. He says that we were dead to our offenses. Et que nous étions comme les païens. And when we were like pagans, accomplissant les volontés de notre chair. We accomplished the desires of our flesh et de nos pensées and our thoughts.
Mais qui était derrière? Who was behind it? Le prince de la puissance de l'air. The prince of the power of the air. Quand ta chair veut boire la bière, when your flesh wants to drink beer, ben le diable est couché. The devil is touched. Il te désire. He desires you. Dès que tu avales un verre, as soon as you swallow a ce glass, ce n'est plus la bière, ça devient le diable. It's no longer beer, it becomes the devil. Si tu comprends ce mystère, if you understand this mystery, même ta lutte contre le péché va changer. Even your battle against sin will change. Tu ne pourras même plus commettre le péché. You will no longer be able to commit sin. Parce que chaque péché veut dire que tu embrasses Satan, tu lui fais des baisers. Because every sin means that you are embracing Satan and you are kissing him. C'est ce que ça veut dire. That is what it means. Donc cette sœur que vous voyez, so this sister that you see la sœur here, Gisèle, elle a compris divinement la notion de renverser les idoles. So this sister that you see has divinely understood the notion of overthrowing personal idols. Si après 40 jours, if after 40 days, tu n'as pas compris la clé, you have not understood the key, le combat sera encore long. The battle will be long for you. Mais si tu saisis la clé, but if you lay hold of the keys, tu entres dans la victoire, you get into victory, et tu vas introduire des multitudes dans la victoire. And you would get multitudes into that victory. Parce que tu as compris le secret. Because you've understood the secret. Donc spirituellement, so spiritually, le péché te désire. Sin desires you. Le péché ici, sin here, c'est l'esprit qui est derrière. Is the spirit that is behind it. C'est pour ça qu'on parle esprit d'adultère, esprit de rébellion, esprit de colère, esprit de jalousie. Donc la jalousie n'est pas seulement une attitude de cœur. Il y a un esprit derrière. That's why we talk about qui veut t'embrasser. That's why we talk about the spirit of adultery, the spirit of rebellion. It is a spirit qui veut that régner, desires to qui embrace veut you, régner sur toi. Which wants to reign over you. Il y a l'attitude inique. There is the evil act, there's the evil attitude. Mais il y a l'esprit. But there is the spirit qui est juste caché derrière. Which is just hidden behind. Le diable sait que s'il te dit c'est moi Satan, même les païens même vont le chasser. The devil knows that if he says that it is I, Satan, even pagans will chase him away. Pour initier les gens dans la sorcellerie, le diable est obligé de leur mentir que ça vient de Dieu, cette puissance-là vient de Dieu. To initiate people into sorcery, demons they have to lie that spirit is coming from God. Le diable sait que pour réussir, il faut se cacher sous Dieu. The devil knows that to succeed, he has to hide behind God. Donc pendant que tu écoutes le témoignage, tu règles le cœur parce que ce soir-là. So while you are listening to the testimony, you should be putting your heart aright because this evening, même si la racine est à des milliers de kilomètres de profondeur, even if the roots are at millions of kilometers below the ground, elle va sauter comme quand on dynamite un immeuble. It will skip out like a dynamite. Dis amen. Say amen. Est-ce que tu peux réussir en peu de mots pour que les frères te comprennent? Et pendant qu'elle parle, tu pries pour elle. Je suis la sœur Gisèle Kouassi. Mon époux, c'est le merveilleux frère qui est à côté de moi. Acclame pour Jésus. Clap for Jesus. Et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Biaïcha. C'est en octobre 2008, j'ai donné ma vie à Dieu dans cette communauté. Mais il faut dire qu'avant ça, j'ai un peu erré dans des dénominations. Mais quand je suis venue, je me suis repentie de tous mes péchés et on m'a rendu le ministère du brisement de liens. Mais ce que j'ai constaté, c'est que il y a eu des délivrances, mais il y a quelque chose que j'avais avant qui continuait toujours. J'avais un mari de nuit qui continuait de me visiter, malgré la repentance et malgré le brisement de liens. Et cela m'étonnait beaucoup. Il faut dire que quand j'expliquais à mon faiseur, il me disait que
c'est que certainement il y a un péché encore dans ta vie. Il y a encore des péchés, peut-être tu ne sais pas, il y a encore des péchés, mais seulement travaille sur toi-même, travaille. Et cela a continué pendant longtemps. Et j'ai décidé de faire un deuxième brisement de lien. Cette fois-ci, c'est papa qui a organisé et on m'a rendu ministère. Il faut dire que dans mes songes, je me voyais toujours dans des pièces, dans une pièce obscure, dans une maison close. Et ce que j'ai remarqué, c'est que à l'entrée de cette maison-là, il y avait un homme géant, grand. Et toutes les fois que je tentais de sortir de cette prison satanique, quand je sors, il réussit à me rattraper. Il me saisit. Et quand je vais crier au nom de Jésus-Christ, il m'étouffe, il me serre la gorge et il me ramenait toujours dans cette prison. Et j'étais dans cette prison-là pendant longtemps. J'avais tous mes documents que je prenais pour étudier là, étaient avec moi dans cette prison. Et c'était très noir. Et il faut dire que quand j'ai terminé les études à l'université, je cherchais du travail, j'ai commencé à postuler. Je partais déposer des demandes d'emploi. Et quand je vais déposer des demandes d'emploi, le soir, je fais des songes où c'est lui qui réceptionne la demande. Il prenait la demande. Et ça faisait que on ne m'appelait jamais pour un éventuel entretien. Et j'en souffrais énormément. Je passais les concours. Et généralement, un mois de la proclamation des résultats, je commence à avoir des attaques pas possibles de cet esprit-là. Et c'est comme ça, ça a perduré. Et lorsqu'on m'a rendu le deuxième ministère du brisement de liens, les jours qui ont suivi, j'ai fait un songe. J'ai réussi à m'échapper de cette prison-là. Je suis sortie. Et quand je suis sortie, je partais. Et à un moment donné, il y a une dame qui venait devant moi. Elle me dit, mais madame, regarde derrière toi, regarde. Il y a un homme étrange qui est derrière toi, regarde. À peine je me suis retournée pour regarder, je vois cet esprit. Cet esprit, c'est seulement, je ne sais pas à quoi je vais le comparer. Il est très grand. Et apparemment, il est féroce. Et quand je me suis retournée net, il m'a saisi. Quand il m'a saisi, il m'a ramené dans la prison. Et c'est comme ça que je souffrais, frère. En 2011, à l'initiative de... à cause de la crise, ils ont fermé les cités. Parce que j'étais en cité, j'avais ma chambre là-bas. Et quand ils ont fermé les cités universitaires, j'étais obligée d'aller chez un cousin. Et quand je suis partie, il faut dire que la situation à la maison était difficile. Et un jour, il y a une situation qui va se présenter. Une situation à travers laquelle Dieu va montrer l'état de mon cœur. Puisque mon faiseur me disait toujours, il y a un péché certainement qui est caché dans ta vie, qui donne libre accès à cet esprit-là dans ta vie. Donc, ce jour-là, j'ai eu une situation vraiment banale à la maison. Et cette situation-là, mon cousin a profité de cette situation-là pour, sincèrement, il a tenu vraiment des propos blessants. Ce jour-là, je me lavais. J'étais sous la douche, je me lavais. Il a tenu des propos vraiment durs à mon égard. Et frère, j'ai commencé à trembler sur moi-même dans la douche. J'ai commencé à trembler sur moi-même. Mais je ne pouvais rien lui dire parce que je vis chez lui. C'est lui qui fait ses dépenses, je n'ai rien à lui dire. Et sincèrement, la colère est montée à moi. Je tremblais. J'étais déjà en train de réfléchir comment faire pour sortir de sa maison. Comment faire pour partir pour de bon et ne plus jamais revenir. Et c'est comme ça, les jours qui ont suivi, vraiment, j'étais dans un état désagréable. Je faisais des cauchemars. Et le Seigneur va me montrer un songe à travers lequel je vais voir mon état misérable. J'étais quelque part et on me dit, « Sœur Gisèle, ta bénédiction est dans cette pièce. » Et dans cette pièce, il y a des coffres forts. Et au bas de chaque coffre fort, il y a une clé. Chaque coffre avait sa clé. Et j'étais à l'entrée de la pièce. Il y a un tout petit enfant qui se tenait à l'entrée de la pièce.
Et quand j'étais devant la pièce, ce que j'ai remarqué, c'est que je n'avais pas la station debout. J'étais couchée et j'ai dit à l'enfant, on me dit ma bénédiction, ma couronne se trouve dans cette pièce. Je suis venue pour la prendre. Il me dit, mais il faut rentrer, la clé est là. Rentre, tu vas prendre. Frère, je vous assure que je ne pouvais pas me tenir debout. J'étais assoupie. J'étais anéantie par la colère qui m'a rongée pendant des jours. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Je n'ai pas pu récupérer ma couronne. Et sincèrement, j'ai médité automatiquement. J'ai compris que je devais régler quelque chose dans ma vie. Je devais régler l'état de mon cœur. Je devais tout faire pour que la colère soit renversée. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre un jeûne de 3 jours. J'ai commencé le jeûne le 2e jour. Le 3e jour, j'ai fait un autre songe. Et le Seigneur m'a montré cette prison. J'étais toujours dans cette prison. Mais cette fois-ci, j'étais là et j'ai commencé à sentir du bruit sur la dalle. Il faut dire que la prison était vraiment... c'était un fort. Il y avait une dalle juste au-dessus et j'ai senti du bruit. J'ai senti que quelqu'un était en train de marcher, de talonner la dalle en haut. Et les débris ont commencé à tomber. Et au fur et à mesure que les bruits continuaient, la prison a commencé à s'écrouler. Et j'ai remarqué que c'était un éléphant qui était en train de talonner, piétiner, broyer la prison. Et la prison, l'éléphant saccageait la prison. Et je suis sortie des décombres. Quand je suis sortie, j'ai vu autour de moi, autour de la maison, il y avait des barbelés de fer. Et là, de là, je voyais une amie qui est en crise. Je l'ai vue juste dehors, qui me dit, mais soeur Gisèle, qu'est-ce que tu fais là? Et puis elle est venue, elle a baissé les barbelés et je suis sortie de la prison. Frère, je vous assure, la même semaine, on m'a appelé dans une entreprise pour un entretien. On m'a appelé et je suis allée faire l'entretien. Et le lendemain, on m'appelle pour dire, Gisèle, c'est toi qu'on a retenu. C'est toi qu'on a retenu pour le poste. Tu vas commencer le 2 octobre. Nous étions en 2012. Tu vas commencer le 2 octobre 2012. Et effectivement, j'ai commencé le travail. J'étais sur le site. Lorsqu'un jour, je dormais entre midi et 2, et je vois le mari de nuit qui vient entrer dans ma chambre. J'étais couchée et il voulait s'asseoir net au bord du lit dans lequel j'étais couchée. Et puis, je me suis levée. Je me suis levée animée d'une colère pas possible. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu continues de faire dans ma vie? Tu vas partir aujourd'hui. Frère, j'ai commencé à le chasser. Je l'ai chassé. Je lui ai dit, ramasse tes bagages. Ramasse tout ce que tu as envoyé. Et va-t'en, je ne veux plus de toi. Sors de ma vie. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et il avait un ami qui était juste à côté. Il a commencé à me calmer. Il me dit... il faut te calmer parce que entre mari et femme là, tout se règle toujours. On va régler. Je lui ai dit, je refuse. À partir d'aujourd'hui, ça fait dans ma vie. C'est fini. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il ramasse ses bagages. Et je l'ai vu tout tremblant. Il tremblait sur lui. Et comme j'ai dit, ramasse tes bagages, il est allé ramasser des colis que j'avais, qui étaient attachés dans des sachets bleus. Et au moment où il voulait franchir le seuil de la porte, je me suis précipitée, je lui ai dit, mais quand tu venais, tu n'avais rien. Tu vas laisser ces bagages-là ici. J'ai saisi les colis. Quand j'ai saisi, j'ai tiré, j'ai déchiré. C'était mes documents qu'il avait ramassés. Il avait pris tous mes documents, il partait avec. Mais le Seigneur était vigilant. Il a mis vraiment son esprit en moi. Et j'ai pu arracher mon intelligence à cet esprit, mes documents. Et c'est comme ça, frère, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur m'a donné du travail. Et il m'a ouvert la porte du mariage que je cherchais depuis longtemps. Gloire à Dieu. Que ton nom soit glorifié. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jesus Christ.
Quand tu renverses les idoles, when you overthrow idols, le Seigneur te remplit du Saint-Esprit. The Lord fills you with the Holy Spirit. Et les batailles sont achevées dans la vision. And battles are completed in visions. Quand l'ennemi vient, when the enemy comes, ton esprit vivifié, your enlivened spirit, le juge, le combat, judges him and fights against him. Quand tu ne renverses pas les idoles, when you don't overthrow idols, tu es lourd, you are heavy, tu ne peux pas invoquer Jésus. You cannot call upon Jesus. Elle dit qu'elle avait, elle devait retirer la, récupérer sa couronne. She says that she had to take her crown. Elle n'a pas pu. She was unable. Elle rampait parce qu'elle n'avait pas de, le Saint-Esprit. She was crawling because she did not have the Holy Spirit. Si tu veux la vraie délivrance, if you want true deliverance, renverse les idoles. Overthrow idols. Cherche dans ta vie, ce n'est pas difficile. It's not difficult. Look in your life. Tu n'as même pas besoin d'une liste de choses à lire. You don't even need a list of things to parce read. Parce que Dieu bénit toujours l'être humain. Because God always blesses the human being. Il, Dieu permet toujours. God always permits que tes péchés soient devant toi. That your sins should be before you. Quand les gens parlent, when people speak, tu entendras les gens dire, mon problème c'est la colère, mon problème c'est la jalousie. Moi. Donc les gens connaissent leurs problèmes. You hear people say, my problem is anger, my problem is jealousy. So people know their problems. Tu peux utiliser la liste. You can use the list. Mais il faut beaucoup prier que ton cœur saisisse la notion. But you need to pray truly that your heart should lay hold of the notion. Nous avons délivré beaucoup de personnes. We have delivered so many people. Vous voyez, Dieu lui a dit, ton problème c'est la colère. You see, God told her, your problem is anger. Elle n'a même pas dit, je vais aller voir mon faiseur de disciples pour qu'on en parle. She didn't even say, I will go and see my disciple maker so that we talk over it. Elle a prié un jeûne de 3 jours. She took a 3-day fast. Ça montre qu'elle était touchée. This shows that she was touched. Il y a des gens, même le jeune parcel là, vous êtes là, il fuit, il s'en va d'abord manger, il revient. Et il s'attend à ce que toutes les racines soient ôtées. Ce n'est pas possible. You see people, even during the Pascha fast, when the time comes, you see they just slip out and go and eat, and they are waiting for the idols that the roots should be taken off. It's not possible. En 2005, in 2005, le Seigneur m'avait dit, the Lord told me, tant que vous n'avez pas enseigné, as long as you've not taught, que les démons les plus puissants, that the most powerful demons, ne sont renversés que par le jeûne et la prière, are only overthrown by fasting and prayer, tout votre enseignement sur la délivrance reste incomplet. All your teachings on deliverance remain incomplete. La bataille est au-delà des démons, sors. Il y a les principautés. The battle is far above demons. Go out. There are princes satanic. There are satanic princes. Qui demandent qu'on jeûne et qu'on prie. Which demand that we fast and pray. Le frère Zach a renversé 3 princes sataniques. Brother Zach overthrew. Avant de partir au ciel. Brother Zach overthrew 3 satanic princes before going to heaven. Il a combattu les princes de Yaoundé, princes de Douala. En tout cas, Dieu lui a donné ça comme une tâche. He fought against the prince of Yaoundé, the prince of Douala. God gave him that as an assigned task. Pour nous. For us. Dieu nous a ouvert l'intelligence. God has opened our minds. Pour terrasser les principautés personnelles et familiales. To bring down personal and family principalities. Acclamons pour Jésus Christ. Let's clap for Jesus Christ. Tous ceux qui observent l'instruction vont palper, comme disait Dr. Nathaniel, vont palper la délivrance. All those who obey the instructions will be able to touch deliverance. Ils vont voir comment les princes tombent. They will see how princes fall. Vous avez écouté son témoignage. You heard her testimony. Elle n'a pas jugé le mauvais esprit. Elle se repentait de la colère. She did not judge the evil spirit. She was just repenting of anger. Elle déracinait la colère. She was
uprooting. Et Dieu était satisfait. And God was satisfied. Et il a dit à l'esprit d'éléphant d'aller détruire cette forteresse. And he told the spirit to go and destroy the stronghold. Vous savez, tous les animaux qui existent là, you know, all these animals that exist, existent spirituellement. They also exist spiritually. S'il y a l'aigle, if there's an physique, eagle, il y a l'aigle spirituel. If there's a physical eagle, there's also a spiritual eagle. At all levels. C'est pour cette raison que la Bible dit que s'il y a un corps animal, il y a aussi le corps spirituel. That's why the Bible says that if there is an animal body, there's also a spiritual body. Tout ce qui existe, all that which exists, dans ce monde, in this world, existe spirituellement. Also exists spiritually. Les diplômes, certificates, ont le corps physique, have a physical body, et ils ont le corps spirituel, and they also have a spiritual body. Le démon prend le corps spirituel, prend les diplômes spirituels, il garde. The demon takes the spiritual certificates and keep them. Et il te bloque. And he blocks. Quand tu as les papiers physiques là, le démon a déjà pris les papiers spirituels. But you have the physical papers, but the demons have already taken the spiritual papers. Et dit, le démon voulait partir avec un sachet. She says the demon wanted to go with a bag. Quand elle arrache, when she ça se déchire, voit que c'était ses diplômes. When she pulled the bag, it got torn and she saw her documents. Il voulait partir avec. And he wanted to go with it. Et nous avons vu l'autre jour que Pharaon voulait rester avec toutes les brebis. And we saw the other day that Pharaoh wanted to stay with all the flock. Pour que les enfants d'Israël partent pauvres, vides, sans animaux pour sacrifier à Dieu. So that the children of Israel would go empty, poor, without any animals to sacrifice to God. Réfléchis encore bien. Think over these things again carefully. La vanité, la colère, la vanité. Vanity, anger. L'orgueil. Pride. L'orgueil. Pride. Le désir de te faire voir. The desire to be seen. Le désir qu'on t'apprécie. The desire to be appreciated. L'incapacité de t'examiner toi-même. The capacity to examine yourself. Pour toi, tu es bien. Tes parents sont bien. Les gens sont sorciers. Ils sont mauvais. Ils te provoquent. For you, you are good. Everything is good about you. Les people gens are witches. C'est toi, they just provoke les you. Gens ne t'aiment pas. People don't like you. Tu fais ça, tu vas rester dedans parce que derrière ces choses-là, le diable est caché. If you do that, you will stay on the spot because behind those things, the devil is hidden. Il dit, viens, mon enfant, viens. He says, come, my child, come. Pour toi, c'est une attitude de cœur, la négligence. Mais derrière la négligence, il y a quelqu'un qui veut t'embrasser. For you, it is a hard attitude or negligence. But behind negligence, there is someone who wants to embrace you. Quand on dit déraciner les idoles, c'est de dire que j'arrête avec ça aujourd'hui. When we say uproot idols, it is telling yourself, I put an end to this today. Dans, ici même maintenant. Right here and now. Quelqu'un peut renverser toutes les idoles en quelques minutes. Someone can overthrow all his idols in a few minutes. Ta vie n'est pas précieuse. Your life is not precious. Tout ce que nous avons doit être sacrifié pour la gloire de Dieu. All that which we have must be sacrificed for the glory of God. Nous étions à Lagos en 96. We were in Lagos in 96. Il y avait une convention là-bas. There was a convention there. Je craignais le jeûne. I used to fear fasting. Parce que quand je jeûne, because when I fast, ou quand je jeûnais, or when I used to fast, c'était très difficile. It was very difficult. Les gencives saignent. My gums would bleed. La bouche. The mouth. Mauvaise haleine. A bad breath. Les maux d'articulation. Pain in my joints. C'est-à-dire j'avais un problème de manque de calcium qui devenait sérieux quand je prenais un long jeûne. Because I had a problem with calcium deficiency, which became pendant serious que j'écoutais when I la parole de Dieu, when I was listening to the word of God, je me suis dit, qu'est-ce que je fais sur la terre? I asked myself, what am I doing on the earth? Si je vis, if I live, et que la gloire de Dieu ne se manifeste pas, and the glory of God is not manifested,
J'ai dit, je vais jeûner, même si je meurs. I said I will fast even if I die. C'est-à-dire, c'est là-bas que j'avais dévalué ma vie à mes propres yeux. It is there that I devaluated my life in my own eyes. Quand nous sommes revenus, when we came back, le jeûne que j'avais planifié que je n'avais jamais démarré, je l'ai démarré, je l'ai fini. The fast that I had planned for a long time without never starting it, I started it and I finished it. À quoi me sert la vie si elle ne glorifie pas Dieu, que je fuis le jeûne parce que je ne veux pas souffrir? What is my life worth if I don't glorify God, if I run away from fasting? Because I don't want to glorify God. Prends la dernière semaine au sérieux. Take this last week seriously. Je disais à ma collègue que c'est comme l'avion, nous sommes déjà en train d'amorcer la descente. I told my colleague that it's like the plane, we are already going down to land. Nous avons une semaine pour la descente et l'atterrissage. We have 1 week to descend and then to land. La descente, c'est pas le 11. The descent that is going downwards is not on the 11th. Elle a commencé. It has started. Donc, chacun doit tout faire pour être prêt pour sortir avec les bénédictions. So everyone must do all to be ready and to go out with blessings. Ce témoignage, c'est un livre. This testimony is a book. Parce que quand Dieu te donne une révélation, because when God gives you a revelation, il n'y a pas de preuve que c'est vrai. And there are no proofs that it is true. Les gens qui t'écoutent, qui croient, people who listen to you and believe you, ils ont la foi. They have faith. Quand ils mettent en pratique, when they put it in practice, ils voient le résultat. Toi-même, tu es béni parce que ça confirme ce que Dieu t'avait dit. They see the results and they are blessed, and you yourself are blessed because it confirms that which God has told you. Le démon s'appuie sur quelque chose. Demons lay hold on something. Le péché. Sin. Et c'est pour cette raison que les péchés comme la masturbation, c'est une fatalité. That's why sins like masturbation are fatalities. Parce que quand tu commences, because when you start, la masturbation aliène le psychisme de l'homme. Masturbation links the psyche of man. Ça détruit ton intelligence psychique. It destroys your psychological intelligence. Les autres commettent l'adultère disent que la femme m'a séduit. Toi, tu es séduit par zéro. People commit adultery and they say, oh, the lady seduced me. You are seduced by nothing. Et donc, tu es déréglé. So you are wayward. Un jeune homme a écrit à la sœur Colette. A young man wrote to Sister Colette. Mon problème, c'est la masturbation. My problem is masturbation. Parce que même comme je suis marié, because even though I'm married, je me masturbe toujours. I still masturbate myself. Je ne peux pas oublier cette lettre-là. I can never forget that letter. C'est avec violence. It is with violence qu'on arrête avec la masturbation. That we end masturbation. Si tu restes là, fleque, mon problème c'est la masturbation, fleque. If you stay there, fleque, my problem is masturbation, fleque. Alléluia. Tu dis j'arrête. You say I stop. Et ça s'écroule. And it crumbles. Un péché comme la jalousie, qui peut te délivrer de ça? A sin like jealousy, who can deliver you from it? Si quelqu'un se bat, les gens peuvent venir l'aider à arrêter. If two people are fighting, people can come and stop them. Non, arrêtez. No, stop. Mais personne ne sait. But no one knows que tu es rongé. That you have been eaten. Donc ça reste là-bas. But it stays there. Si je vois un frère mentir, je peux dire, hey, arrête avec tes mensonges là. If someone lies, you can say, stop with your lies telling. Et on peut lui rendre ministère. And you can render ministry mais to him. Mais quand quelqu'un est rongé par la jalousie, personne ne peut l'aider. But when someone is eaten up by jealousy, c'est dedans. No one can deliver him because it's inside. Tu vois même un frère qui prêche, tu es jaloux.
You see even a brother who is preaching, you are jealous. Tu vois un ami qui réussit un examen, tu es jaloux. You see a friend who has succeeded in an examination, tu you are souffres, jealous. Tu souffres. You are suffering. Personne ne sait. Nobody knows. Tu dis arrête. You say I stop it. Et tu arrêtes. And you stop it. J'avais un ami. I had a friend. J'étais jaloux de lui autant que je l'aimais. I was as jealous of him as much as I loved him. Un jour, le frère Zach, et la jalousie a duré. And that jealousy stayed. Le frère Zach vient un jour et dit, Brother Zach came one day and said, quand tu es jaloux, that when you are jealous, tu te repens d'abord. You first of all repent. Après, tu bénis la personne. And then you bless the person. Que la personne devienne plus grande que toi. And you say the person should become greater than you are. Je me suis repenti. I repented. Je l'ai béni. And I blessed him. Je l'ai élevé. And I raised him up. Et j'étais délivré. And I was delivered. Parce que tu verras que quand tu es jaloux, tu souhaites les mauvaises choses. Because you see that when you are jealous, you desire evil things. Tu regardes toujours quelque chose que tu dois critiquer. You always see some. You always look at something that you should criticize. Mais dès que tu dis que la personne soit plus grande que moi, but as soon as you say this person should be greater than myself, Satan est vaincu. Satan is overcome. Si tu dis, donne-moi un cœur, permets que je change, tu n'as pas encore touché le nœud. If you say, oh, look at my heart, please, Lord, allow me to change. You have not yet touched. Tu n'as pas besoin de changer. Prie que la personne devienne plus grande. You don't need to change. Just pray that a person should become greater. Béni, élevé. Blessed and lifted up. Le démon là va te laisser. And that demon will leave you alone. Maintenant. Now. Concernant les principautés familiales. Now concerning family principalities. La clé. The key. C'est d'abord, tu pardonnes à tous les parents, tous. First of all, you forgive all your relatives. Même ceux qui te persécutent, surtout. Above all, those who persecute you. Tu t'identifies à eux. You identify yourself with them. Parce que les péchés des parents sont punis sur 4 générations. Because the sins of the fathers are punished to the 4th generation. Dieu l'a révélé à Moïse dans le premier commandement. God revealed it to Moses in the first commandment. Mais Moïse avait oublié. But Moses forgot. Si bien que quand Israël a péché, so that when Israel sinned, Moïse demandait à Dieu de pardonner à ce peuple-là. Moses asked God to forgive those people. Il a même dit à Dieu, si tu God, veux, enlève mon nom du livre de vie et accepte le peuple. He even told God, if you want, you can take out my name from the book of life and put their names. Ça veut dire que dans son esprit, il n'y avait pas encore eu de fusion d'identification. Because it shows that in his spirit there was not yet the fusion lui, and identification. Lui, il était acceptable. So he was acceptable. Et les autres étaient condamnés. And the others were donc condemned. Il voulait donner sa vie pour qu'ils soient acceptés. So he wanted to give his life for them to be accepted. Et quand tu lis d'Exode 32 à Exode 33, 34, l'intercession est bloquée. When you read from Exodus 32, 33 and 34, the intercession is blocked. Dieu s'était déjà repenti qu'il n'allait pas les tuer tous. God had already regretted the fact that God had already repented that he wanted to kill all of them. Maintenant, Moïse voulait que Dieu accepte de marcher avec eux. But Moses at that time wanted God to accept to go along with them. Et Dieu refusait. And God was refusing. Dieu refusait. He refused. Moïse a même calmé le jeu et dit, bon, maintenant, révèle-toi à moi. So Moses calmed down the issue and said, okay, now reveal yourself to me. Enseigne-moi tes voies. Show me your ways. C'est là où Dieu lui a redit ce qu'il avait dit dans les premiers commandements. That is when God told him what he had said in the first commandment. Lisons-nous le premier commandement, chapitre 20, verset 1. Exode. Read for us Exodus chapter 20, verse 1, the first commandment. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux
plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Maintenant, Exode 34, verset 5. Exodus 34, verse 5. 5 à 9. Verse 5 to verse 9. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple aux coups roides. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Amen. Alléluia. Quand Moïse a reçu ce rappel, when Moses received this reminder, il a reformulé sa demande. He reformulated his request. La Bible dit, aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. The Bible says immediately Moses bowed to the ground and worshiped. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos iniquités. Ce n'est plus pardonne les iniquités. Forgive our wickedness. Forgive our wickedness. It was no longer forgive their wickedness. Pardonne nos iniquités forgive et nos péchés. And our sin. Il a prié selon la volonté de Dieu. There he prayed according to God's will. Écoutez la réponse de Dieu. Listen to God's response. L'Éternel répondit. Then the Lord said, voici, je traite une alliance. Now I'm making a covenant. Je ferai en présence de tout ton peuple. Before all the people, I will do des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Wonders that have never been done in a nation in the world. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. The people you live among will see how awesome the Lord is. Et ce que j'accomplirai pour tout, par toi inspirera de la crainte. And what I will accomplish through you will inspire fear. Hallelujah. Hallelujah. Dieu a repris la marche avec eux. God took the walk with them once again. J'accomplirai au milieu. I will accomplish among. C'est ce que Moïse voulait. That is what Moses wanted. Dieu lui-même doit être là. God himself must be there. C'est ce que Dieu va faire dans nos familles. That is what God is going to do in our families. Tous les petits, Komian, les Tetekpan, les Goli, les Vodou, tous ça taillé en pièces, cassé. Gegekpan, Vodou will be brought down and broken. Les esprits de mort, il va faire sauter les crânes des tombes. All the spirits of death will jump up from the tombs. Et envoyant le feu du ciel pour brûler tous les crânes. And will send the fire from heaven to burn off all the skulls. Il va brûler les forêts, déraciner les arbres adorés. Burn forests and uproot all the trees. S'il dirige ses regards sur toi, les démons sautent. If he sets his gaze upon you, demons will just go out. S'il te voit, si ses regards se posent sur toi, le démon même dit, je m'en vais. If he just gazes at you, demons will just say, I'm going. Tu ne vas pas te débrouiller comme un orphelin qui veut se libérer d'un piège. You will not struggle like an orphan who is trying to get off from a trap. Il dit, je les exterminerai.
He says, I will put them off. Quand Dieu est satisfait, when God is satisfied, il descend. He comes down pour combattre. To fight. Il est l'Éternel des combats. He is the Lord of battle. Il est le Dieu des armées. Que personne ne te trompe. He's the Lord of hosts. Let no one deceive you. Quand tu es son enfant, tu es un combattant. When you are his child, you are a warfare. Il a des armées. He has armies. Il a des légions d'anges. He has legions of weapons. Qu'il peut envoyer sur la terre. That he can send on the earth. Lisez pour nous Hébreux chapitre 1 verset 7. Read for us Hebrews chapter 1 verse 7. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Quand la bataille devient rude, when the warfare becomes strong, les anges, angels, filent plus que le vent. They fly more than the wind. Phew, phew, boom, boom. Tu es délivré. You are delivered. Si on te dit que le ciel et la terre sont éloignés, zéro, zéro. If they tell you that heaven and earth are far off, you will not even know. Et toi-même, are you yourself? Quand tu bouges là, c'est le feu qui bouge. When you are walking about, it's flames of fire. C'est ça qu'il va faire de toi. That is what he has made of you. Il fait de ses anges, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. He makes his angels winds and his servants flames of fire. On parle de délivrance. You talk about deliverance. C'est ce que ça veut dire. That is what it means. Si on ouvre tes yeux spirituels. If they open your spiritual eyes. Certains ont vu le feu. Ce ne sont pas des amusements. Dans certaines visions, vous avez entendu le feu. C'est ça. In some visions, the brethren saw fire, flames of fire. It's not a joke. It's true. Il n'y a pas d'avenir pour le méchant. There is no future for the wicked. Il n'y a pas d'avenir pour les méchants. There is no future for the wicked. Les enfants de Dieu doivent se rapprocher de leur père. The children of God must come close to their father. Il a dit Israël. He says Israel. Ce qui cause ta perte, ta ruine. That which causes your ruin. C'est que tu es contre celui qui pouvait te secourir. Is that you are against the one who could have helped you. Tu gardes l'amour du monde. You kept the love of the world. Oh, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. And the love of the world is enmity against God. Et c'est Dieu qui doit te délivrer. And it is God who has to deliver you. Et tu gardes l'inimitié contre lui. And you keep an enmity between you and him. Si tu renverses le mur, if you overthrow the wall, Dieu va entrer dans la bataille. God will come into the battle. Il va résoudre les problèmes de santé. He will resolve the health problems. Il va restaurer les rétrogrades. And will restore backsliders. Les rétrogrades sont comme des morts. Ils n'ont pas de vie. Si Dieu, si le Seigneur s'approche de tes eaux, des eaux desséchées, tu vas te lever. Backsliders are like dead people. If the Lord comes just close to your dry bones, you will get up. On a jeté un cadavre sur les eaux de l'Élysée. Le cadavre a recouvré la vie. They put corpses on the bones of Elisha, and the people came back to life. Il y a la vie, Dieu est la vie, il est la vie. There is life, God is life. Il est la restauration. He's restoration. Tu ne peux pas le rencontrer et sombrer. You cannot meet him and then you sink. Il ressuscite. He resurrects. Il vivifie. He enlivens. Il restaure. He restores. Il guérit. He heals. Il pardonne. He forgives. Il n'est pas rancunier. He does not beg. Dieu ne te dira jamais pourquoi tu m'as d'abord abandonné. God will never say why did you first of all abandon me. Si tu reviens, if you come back, il t'accueille. He welcomes you comme si tu n'étais jamais parti. As if you had never gone away. C'est ce que Jésus voulait montrer à travers la parabole de l'enfant prodigue. That is what Jesus wanted to show through the parable of the prodigal son. Le père l'a accueilli comme s'il n'avait jamais commis de péché. The father welcomed him as if he had never sinned. Le fils aîné était obligé de se mettre en colère. The elder son was obliged to get angry. Parce que ça ne se comprend pas. Because it was not understood. Could Dieu, not be understood. Que un blasphémateur, un ivrogne, un adultère revient et Dieu l'accueille avec honneur. That a blasphemer, a drunk, comes back and et il le restaure même, il le restaure, il le guérit. And restores him. And heals il enlève les conséquences de ses péchés. And he takes away the consequences of his sin. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le hazam et le asil, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. He says, I'll restore the years that the locusts
and the worms have eaten. Then my army that I sent against you. Il remplace. He replaces. Parce qu'il t'aime. He restores because he loves c'est notre père. You. He is our father. Et c'est comme ça qu'un père agit. And that is how a father acts. Mais l'autre. But for us. L'autre. But the other one. Est un voleur. He's a thief. C'est un voleur. Vous voyez, il partait avec le sachet de diplôme d'une petite fille. Une petite fille qui a fait ses études. You see, he was going away with the bag of the certificates of his sister. A little girl was going to school. Le pain quotidien. Elle veut le pain quotidien. Someone who is looking for daily bread. Elle n'a pas. She doesn't have it. Elle veut se marier, ça ne marche pas. She wants mais to get married. Un démon does not work. A ses diplômes. But a demon has her certificates. Si tu as la révélation de ces choses-là. If you have a revelation of these things, même ton esprit va combattre, même si tu dors. Even your spirit will fight. When you are asleep. Quand ton esprit a saisi ces choses-là, Dieu peut l'utiliser pour délivrer les autres. When your spirit has laid hold of these things, God can use it to deliver others. Vous avez vu une petite fille. You see a little girl. Le démon veut partir. D'abord, le démon l'a mise en prison. First of all, the demon put her in prison. C'est sa femme, donc elle reste là-bas. It was his wife. He put her there to stay there. Dieu avait laissé pourquoi? Why did God leave it? Parce qu'elle était dans le monde. Because she was in the world. Parce qu'elle avait des idoles. Because she had idols. Dieu n'aime pas les idoles. God doesn't like idols. Quand elle a mis de l'ordre, when she put order, elle n'a même pas demandé ça à Dieu. She did not even ask for that from God. Dieu a détruit la forteresse. God destroyed the stronghold. Il a cassé la prison. And he broke the prison. Il va faire la même chose. He will do the same thing. Il va casser la tombe. He will break the tomb. Il va casser la prison. He will break the prison. Il va briser les chaînes. He will break the chains. Si c'est un être humain, you'll be. Si c'est un être humain if vivant, it's a human being, il va fermer sa bouche. He will close his mouth. Il va apparaître en songe. He will appear in a dream. Il va lui dire, laisse mon enfant. He will say, leave my child. La femme de Pilate l'a dit. The wife of Pilate said, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de cet homme. In my dream, I suffered so much because of this man. Dieu a dit à la femme de Pilate, God dis told à ton the wife mari of Pilate, de faire attention. Tell your husband to be careful. C'est mon fils. This is my son. Elle est venue dire à son mari. Son mari a pris de l'eau, lavé les mains. She came and told her husband. Alléluia. And the husband took water and washed Jésus his hands. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Tiens-toi debout. Stand up. Est-ce que tu es sûr? Are you sure? Que tu as touché à tes idoles? That you have worked on your idols. Qu'est-ce que ton cœur condamne? What does your heart condemn? Renverse maintenant. Overthrow it now. Tu verras la suite. And you will see the next step. Cette nuit même. Even tonight. Tu verras. You will see. Renverse seulement. Just overthrow. Ne combattons pas comme les aveugles. Let's not wage war like blind men. Comme des insensés. Like unwise people. Nous savons ce que Dieu demande. We know what God demands. Il nous a donné des instructions claires. He has given us clear instructions. Pour renverser les idoles, les principautés personnelles. To overthrow personal principalities. Il faut renverser les idoles personnelles. Must overthrow personal idols. Il y a des gens qui disent Seigneur, révèle-moi les principautés. Qui t'a dit de prier comme ça? There are people who say, Oh Lord, reveal to me principalities. Who asked you to pray that way? Certains confondent même déjà les choses. Tout est principauté maintenant. Some people just mix up things. Everything now is principality. La colère des uns devient principauté. The anger of others become a principality. On vous a dit que les principautés ont des demeures d'existence. You were told that principalities have dwelling places. Il y a les eaux. The waters. Il y a sous les eaux. The under the waters. Il y a la terre, des territoires. There is the earth, sous territories. La terre. Under the earth. Il y a les abîmes. There is the abyss. Il y a les lieux célestes. There are heavenly places. Il y a les lieux arides. There are dry lands. Il y a le séjour des morts. In Hades. Les esprits qui dominent là-bas, ce sont ces esprits-là qu'on appelle les princes sataniques, les principautés. Spirits that dominate there are the spirits that they call satanic princes and principalities. Au-dessus de nous, il y a des esprits méchants. Ce sont les princes sataniques qui sont en haut, au-dessus de nous. Above us, there are principalities, satanic princes. Donc quelqu'un qui avale 10 bouteilles de bière et dit j'ai renversé ma principauté. Someone can. La bière n'est pas ta principauté. Beer is not your principality. You cannot drink 10 bottles of beer and say you have overthrown your principality. L'esprit qui se nourrit de ta bière, c'est cet esprit-là qui s'appelle principauté. The spirit that feeds on the beer that you drink
It's that spirit that is called a principality. L'esprit qui grossit quand tu bois. The spirit that gets fat when you drink, that is a principality. L'homme fort. The strong man. Qui te garde. Which keeps you. Vous voyez, la sœur a dit, il y a la colère qui est dans son cœur, mais le prince garde la sœur dans sa prison. You see, there is the anger that was in the heart, but the principality keeps the sister in the prison. Il y a donc la colère qui est l'idole. So there is anger, which is the idol. La colère n'est pas la principauté. Anger is not the principality. Mais le démon qui la garde là, c'est ce démon-là qui est principauté. But that demon that is keeping her in bondage is the principality. Quand nous avons brisé les liens, when we broke ties, ils ont vu l'autorité, ils ont dit que ah, ça c'est leur chef, les libérons là. They saw the authority and they said no, this is their head. Et ils l'ont libéré. Set her free. They set her free. Quand ils ont vu que je suis resté, ils sont partis, l'arrêter encore et ramener en prison. When they saw that the thief had gone, they went and took her again. Si j'organisais notre brisement de liens, ils allaient là laisser le monsieur là, il va nous faire du mal. If I organized another session, I said, no, let's leave that man alone. He will do us evil. Dès qu'on finit, ils reviennent doucement qu'ils sont partis, revenez. As soon as we finish, they come back slowly and they say they are finished. Donc let's go back. On peut te délivrer même 100 fois. You can even deliver 100 times. Le même scénario. The same scenario. Ils se retirent. They withdraw. Parce que ça chauffe. Because it is hot for them. Quand tu es seul, when you are alone, ils reviennent. They come back. Mais quand tu renverses les idoles, but when you overthrow idols, c'est Dieu qui donne la victoire. It is God himself who gives the victory. Hallelujah. Hallelujah. Et c'est pour cette raison qu'il est dit, that is why it is said, les dons parfaits viennent d'en haut. Perfect gifts come from above. Du Père de lumière. From the Father of light. C'est lequel il n'y a point de changement. Where there is no change. Ni ombre de variation. He does not change like shifting shadows. Quand il te délivre, when he delivers you, tu es délivré. You are delivered. Si le Fils vous a franchi, if the Son sets you free, vous serez réellement libre. You will be free indeed. Comment faire? How should you do? Pour que le Fils intervienne. So that the Son should intervene. Enlève les idoles. Take away the idols. Il a dit à Marthe et aux autres. He said to Martha and the others. Ôtez la pierre. Take away the stone. Marthe lui a dit. Martha said. Il sent déjà. He's already stinking. Il dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? He said, didn't I tell you that if you believe, you see the glory of God? Et la Bible dit. And ils ôtèrent donc la pierre. That they rolled away the stone. Et Jésus a dit. And Jesus said. Père. Father. Je pouvais faire sans prier, sans t'appeler. I could have done it without mais je veux qu'on sache que tu m'as envoyé. But I want them to know il a prouvé qu'il y a une relation entre lui et le Père. He proved that there's a relationship between him and the Father. Il n'était pas obligé de faire ça. Il a fait pour que les incrédules croient. He was not obliged to do it, but he did it. Lazare, sort! Lazarus, come out! Le mort était déjà debout avec. And the dead was already out coming. Hallelujah! 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 C'est comme ça que Dieu travaille. Et il a dit, and he said, délie-le, unbind him, et laissez-le aller, and let him go. Il y a ce que les hommes peuvent faire. There are things that men can do. Jésus veut montrer que il aura toujours besoin des frères. Jesus wants to show that he will always need the brethren. Pour achever le travail. To finish up with the work. Parce qu'il travaille avec l'Église. Because he works with the church. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. He says the Holy Spirit will come upon you. Et vous serez mes témoins. And you will be my witnesses. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne commence pas. If the Holy Spirit is not there, we cannot start. Dès qu'il est là, as soon as he comes, lui et nous, him and us, nous faisons le travail. We will work together. Et il est là, il est dans la salle. And he's here, he's in the hall. Hallelujah. Hallelujah. Parle à Dieu, parlons, que chacun parle. Parle à Dieu, dis-lui que tu laisses cette vie-là. Let everyone speak to God, speak to him and say you are abandoning it. Regarde les choses que tu aimes. Consider the things that you love. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? What do you gain? Est-ce qu'il y a le monde, est-ce qu'il y a les traces du monde dans les choses que tu aimes? Are there traces of the world in the things that you love? La Bible ne nous dit pas de sortir du monde. The Bible does not tell us to
Come out of the world. Nous sommes dans le monde. We are in the world. Et nous servons le Seigneur dans le monde. And we serve the Lord in the world. Ce qu'il veut. But what he wants? Il dit, n'aimez pas le monde. Do not love the world. Servez. Serve. Gagnez les âmes. Win souls. Mais n'aimez pas le monde. But do not love the world. Il ne dit pas n'utilisez pas les choses qui sont dans le monde. He does not say do not use the things that are in the world. Il dit n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. He says do not love the things that are in the world. N'adore pas tes habits, n'adore pas la voiture, n'adore pas ta maison. Do not love your clothes, do not worship your car, do not worship your home. Même si tu as des beaux habits. Even if you have new clothes. Regarde-les comme la boue, là tu es sauvé. Look at them like mud when you're saved. Regarde ta voiture comme la boue. Look at your car like dust, like Paul moth. Dit, j'ai considéré toutes ces choses comme la boue, c'est écrit. Paul says, I consider all these things as moth, it is written. Tes diplômes, c'est la boue. Your certificates, moth. Ton travail, c'est la boue. Your job, moth. Toutes les relations, les bonnes, tout ce que tu appelles les bonnes relations dans le monde, c'est la boue. All what you consider as good relationships in the world, a moth. Ton teint, c'est la boue. Your skin color is mud. Ta taille, c'est la boue. Your height is mud. C'est quand tu commences à proclamer ces jugements que ton cœur reprend la place normale. It's when you start proclaiming these things that your heart comes back to normal. La boue, la boue, la boue, la boue. Mud, mud, mud. La boue, la boue, la boue. Mud, mud, mud. Vanité, 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 vanité. Vanity, vanity, vanity. Tu dévalues toute chose. You devalue everything. Et tu verras. And you see que tu n'as que tout ne te sera plus utile. That not all will be useful to you. Prions ensemble. Let's pray together. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Avant l'intercession. Before the intercession. Qui veut donner sa vie à Jésus? Who wants to give his life to Jesus? Lève ta main. Raise your hand. Venez. Come. Acclamons. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens. If you want to give your life to Jesus, come. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens. If you want to give your life to Jesus, come. Acclamons. Let's clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Lève-toi et viens. Rise up and Lève-toi come. Et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Levez vos mains. Let's raise our hands. Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give my life to you. Je ne rentrerai plus dans le monde. I will no longer go back to the world. Je vais te servir avec tes enfants. I'll serve you with your children. Je vais étudier ta parole avec tes enfants. To study your word with your children. Pardonne tous mes péchés. Forgive all my sins. Pardonne-moi les péchés en parole. Pardonne-moi les péchés en action. Pardonne-moi les péchés en pensée. Forgive my sins in words, in action, in thoughts. Oh Jésus-Christ. Oh Jesus Christ. Tu as dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. You said come unto me you who are tired. Et chargés. And overladen. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je suis fatigué. Je suis chargé. Say I am tired and je viens à toi. I come to you. Pardonne-moi. Forgive Sauve-moi. Me. Heal me. Guéris-moi. Heal me. Restaure-moi. Restore me. Délivre-moi. Deliver C'est toi me. Le chemin.
Show me the way. C'est toi le chemin. You are the way. C'est toi la vérité. You are the truth. C'est toi la vie. And you are the life. C'est toi la vie. You are the life. Bénissons les prions ensemble. Let's bless them. Let's pray together. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Acclamons pour Jésus Christ. Let's clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus Christ. Let's clap for Jesus Christ. Acclamons. Let's clap for Jesus Christ. Let's clap for Jesus Christ. Acclamons pour Jésus Christ. Let's clap for Jesus Christ. Alléluia. Tenons-nous debout. Let's stand, please. Aujourd'hui, today, nous allons nous séparer de tous les pactes. We are going to separate ourselves from all the pacts. Les pactes, les alliances. All the pacts and the covenants signés par les ancêtres. That were signed by ancestors. Avec les démons. With demons. Aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé un autre point. Today the Lord revealed another point to me. Avant, before, on séparait avec les pactes. We used to separate ourselves from the pacts ancêtres. Of the ancestors. Aujourd'hui, today, il m'a dit, he told me, les contemporains, those of today, signent les pactes. That is, people of today sign pacts. Dans les sectes. In sects. Les ancêtres ont fait oui, mais ça continue. Ancestors did it. It is true. But it continues. Les jeunes gens s'en vont. Young men go. Ils disent, je veux jouer au ballon et marquer les buts. Ici, les pactes, ils donnent ses frères. And they say, I want to play football and score goals. And they sign a pact. Donc, ce n'est pas fini dans l'Antiquité. So, it did not end in the olden days. Ce n'est pas fini avec les ancêtres. It did not end with the ancestors. Ça continue. It continues les today. Les brouteurs. Scammers. On leur dit donne quelqu'un. They say give someone. Comme ça tu vas beaucoup brouter. So you will be able to scam well. Et ils donnent. And they give. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas mourir. It doesn't necessarily mean that you will die. Ça peut vouloir dire que tu donnes toute ton intelligence. It could only mean that you give all of your knowledge. Et si, and then, s'ils jouent même aux cartes, if they play cards, il devient intelligent. He becomes very intelligent. Parce qu'il a pris tout, il a volé partout, il a pris. Because he has stolen everywhere and taken to quand himself. Quand il regarde une carte comme ça, il tape, il a déjà tout battu. And he takes a card like this and he plays and he wins everyone. On dit qu'il a un troisième œil, alors que c'est ton intelligence qu'il manipule. And they say he's very knowledgeable, whereas he's taking your knowledge and manipulates it. Il t'a vendu. He has sold you over. Quelqu'un me disait qu'il allait, il voulait être riche. Someone told me that he wanted to be rich. Il est parti voir un marabout. And he went to see a witch doctor. Il lui a dit, tu m'apportes un chiot noir. And the witch doctor told him, you bring to me a little black dog. Il dit, si tu me donnes un chiot noir, that if you give that to me, tu vas aligner les cars de Korogo à Abidjan. Les cars. You will line up buses from Korogo to Abidjan. Donc il cherchait un chiot noir. So he was looking for it. Quelqu'un lui a dit quoi? Somebody said what? Chiot noir là, c'est la personne que tu aimes le plus. A black puppy is the person that you love so much. Donc tu attrapes un chiot là, tu sacrifies. Deux jours après, tu entends que ta femme est partie. So you take a little puppy, you take a puppy and you sacrifice it. The next day you hear that somebody is dead. Ou ton fils est né. Or your father or your elder son is dead. Ou le seul qui a même une petite position sociale acceptable. Or the one who had a little an acceptable social position. Il y avait un frère assis là hier. There was a brother seated here yesterday. Un doyen. An elderly person. Il est parti au Burkina. Il était encore un musulman. He went to Burkina Faso. He was still a Muslim at that time. Donc il est parti. So he went. Pour devenir riche, il cherchait l'argent. To become rich, he was looking for money. On lui a dit, ok, tu prends le chapelet des musulmans là, le chapelet. They told him that you take the Muslim rosary. À partir de minuit. From midnight. Tu tournes. You start turning it. Il s'est assis. So he sat. Minuit, il a tourné, il n'a rien vu. From midnight, he started using it and he saw nothing. Il dit, je n'ai rien vu. On dit, non, tu as mal fait.
He said, I didn't see anything. They said, no, you didn't do it well. Tu t'assois minuit pile, tu commences. They said, at midnight sharp, you start it. Minuit, bam, il a commencé. Chac, 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 chac. And exactly at midnight, he started it counting. Vers les 2 heures, 1 heure. At about 1, 2 a.m. La chambre s'illumine. The room was lighted. Une femme. A lady. Et l'liasse d'argent était là. L'liasse d'argent. And piles of money. Des billets propres. Banknotes clean. Et lui dit, voici. And he said, you see. Mais est-ce que tu acceptes qu'on se marie? But do you accept that we get married? Il regarde le sol. He looked at the ground. Et la femme fait ça. And the lady made like this. Le gars réfléchit. And the guy thought. L'argent est là. The money was there. La femme est là. The lady was there. Il demande à la femme, qu'est-ce qui est... Il est sage, il est parti. Il était ici, il s'est excusé parce qu'il avait rendez-vous. He's a wise Sinon, man. Il allait rendre témoignage. He was here and he just took permission because he had an appointment. Qu'est-ce qui est derrière le mariage là? So he asked, what is behind this marriage? What is hidden behind? Pas de réponse. There was no answer. Donc, t'entends de séduire jusqu'à 4 heures. And the lady was seducing him until 4 a.m. Elle a disparu. And she disappeared. L'argent a disparu. And the money disappeared. Le monde n'est pas simple comme vous pensez. The world is not as simple as you see it. Et vous voyez donc ce qui est derrière les chapelets. Then you can now see what is behind rosaries. Vous avez l'intelligence. You have knowledge. Donc quand tu vas prier, so when you pray, tu te sépares. You separate yourself. De ce qui a été fait. Of that which tu was done. Tu te sépares de ce qui est en train d'être fait. From that which is being done. Et tu juges ce qui se planifie. And you judge that which is being planned. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les sources des malheurs, ce sont ces choses-là. The source of unhappiness, this is it. Tu dis, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. And you tell yourself, I don't know what's happening. Un petit enfant. A little child. Il me dit, il avait été initié à l'âge de 9 ans. Said he was initiated at the age of 9. Il dit, il y a une phase d'initiation, on leur demande des hommes, des noms, on dit, donne les noms des gens. He says that there's a phase in the initiation where they ask you to give the names of people. Et il a donné le nom de 3 oncles. And he gave the names of 3 uncles. Tu es là, tu ne sais pas qu'on a donné ton nom quelque part. And you are there, you sit there, you don't know that your name has been given somewhere. Nous étions à Koumé. We were in Koumé. Une petite sorcière. A little witch. Elle dit que sa grand-mère l'avait initiée à l'âge de 8 ans. Said that her grandmother had initiated her at the age of 8. Elle l'a lavée dans l'eau pimentée. She washed her in water that was hot with pepper. Et pendant qu'elle vivait, elle n'a rien remarqué. While her grandmother was alive, she did not notice anything. While her grandmother was alive, she did not notice anything. Quand elle est décédée, but when she died, elle vient physiquement comme ça, lui dit, va dans la famille de ton père. She comes physically and says, go to your father's family. Demande les noms des gens. Ask for people's names. Tu viens, on va tuer, on va gâter. And we come, we kill them, and we spoil them. Comme c'est une petite fille dit, celui-ci s'appelle comment, on donne le nom. Elle va dire, tous les noms qu'elle a donnés, certains sont morts, d'autres ont perdu les emplois d'une manière inexplicable. Since she was a little girl, she would just go and ask for the name of somebody they would give her. And all the names that she took, some of them died, and others lost their jobs in a way that could not be explained. Elle a été délivrée d'une manière authentique. She was delivered in a genuine way. Elle est vivante, elle est heureuse. She's alive and she's happy. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus-Christ. Say in the name of Jesus Christ. Je juge. I judge. Toutes les alliances des ancêtres. All the covenants of the ancestors. Qui ont engagé la famille dans la sorcellerie. Which committed the family into witchcraft. Ou qui ont engagé la famille dans des liens impurs. Or which committed the family into impure bonds. Je déchire ces alliances. I tear those covenants. Je les détruis. I destroy them. J'annule les conséquences. I cancel the consequences. Je détruis tous les liens établis à travers ces alliances. I destroy all the bonds established because of these links. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que la parole de Dieu déclare. And the word of God declares.
que Jésus a fait de nous that Jesus has made us un royaume de sacrificateurs, a kingdom of priests. Dis au nom de Jésus, say in the name of Jesus, je réclame toute la famille. I claim my family. Je réclame toute la famille. I claim my family. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, je réclame leur liberté. I claim their freedom. Même ceux qui vivent encore dans le péché. For those who still live in sin. Parce que je prie qu'ils soient sauvés. Because I pray that they believe. Je prie qu'ils soient sauvés. I pray that they should be saved. Je prie qu'ils soient sauvés. I pray that they should be saved. Que tous les démons qui les poursuivent se retirent. But all the demons that are pursuing them, withdraw. Je ne les laisserai jamais entre vos mains. I will never leave them in your hands. J'ai le pouvoir. I have the power. De prier pour eux. To pray for them. J'ai le pouvoir. I have the power. De prier pour eux. To pray for them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus Christ. Je déchire les alliances en cours. I tear all the covenants. Toutes les alliances de ceux qui sont en train de les traiter avec les démons. I tear the alliances of all those that have been made with demons now. Les alliances en cours. Covenants that have been made now. Je les déchire. I tear them. Toutes les alliances avec les sociétés secrètes. All covenants with secret societies. Toutes les alliances avec les sectes. All covenants with sects. Toutes les alliances avec les milieux occultes. All covenants with occultic places. Je les déchire. I tear them. Je les déchire. I tear them. Je les détruis. I destroy them. Et je proclame la liberté. And I proclaim freedom. La liberté de la famille. The freedom of the family. La liberté de la famille. The freedom of the family. La liberté de la famille. The freedom of the family. Maintenant, lève ta main, dis Seigneur. Now raise your hand, say, Lord. Sauve. Save. Sauve-nous. Save us. Viens avec nous. Come with us. Attire-nous à toi. Draw us to yourself. Donne des cœurs qui croient. Give us hearts that believe. Donne des cœurs qui t'aiment. Give hearts that love. Comme that love you. Comme tu l'as promis dans Ézéchiel. As you promised in Ezekiel. Tu as dit, je vous mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai des cœurs nouveaux. You said, I'll give you new hearts. Je mettrai en vous un esprit nouveau. And I'll put a new spirit within you. Et je mettrai mon esprit en vous. And I'll put my spirit in you. Dis, oh Père. Say, oh Father. Accomplis cette promesse de restauration. Accomplis this promise of restoration. Accomplis cette promesse de régénération. Accomplis this promise of regeneration. Afin que nous devenions obéissants. So that we become obedient. Et que nous puissions te chercher et te trouver. So that we can seek you and find you. Continue à intercéder. Continue to intercede. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous taillons en pièces. We cut to pieces. Tous les reptiles utilisés dans ces alliances. All reptiles used in these covenants. Tous les esprits de serpents, de pythons, tous les esprits de serpents. All the spirits of snakes. Nous taillons en pièces. We cut them to pieces. Nous taillons en pièces. We cut them to pieces. Nous taillons en pièces. We cut them to pieces. Nous libérons les petits, les grands, les petits, les grands. And we release the great and the small, the great and the small. Et nous taillons en pièces. Nous taillons en pièces. We cut them to pieces. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous proclamons la liberté des grands et les petits. Tous les serpents, toutes catégories de serpents. All categories of snakes. Même si ce sont les serpents qui sont dans la mer. Even the snakes in the seas. Tous les serpents derrière ces adorations. All the snakes that are behind these worships. D'où qu'ils viennent. Wherever they come from. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous taillons en pièces. We cut them to pieces. Et au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous frappons les esprits de mort. We strike the spirit of death. Nous les enchaînons. We chain them. Nous les renvoyons dans le séjour des morts. And we send them back to Hades. Nous ruinons leur entreprise. We ruin their works. Nous brisons leur entreprise. And we ruin their works. Nous brisons leur entreprise. We break their works. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Raise your hand, say in the name of Jesus. Nous nous levons contre toute œuvre humaine. We rise against every human work. Toute entreprise humaine. Every human enterprise. Visant à promouvoir le royaume du diable. Which
has a goal to promote the kingdom of the devil. Visant à maintenir les gens dans l'envoûtement. Whose target is to maintain people in bewitchment. Toute œuvre d'homme vivant. Every work of men who are alive. Toute œuvre d'homme méchant. Every work of wicked men. Toute œuvre d'homme pervers. Every work of perverse men. Nous ruinons, nous détruisons. We ruin them and we destroy them. Car il est écrit. Because it is written. Le Fils de Dieu a paru. The Son of God was manifest. Afin de détruire les œuvres du diable. To destroy the works of the devil. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tout ce que les hommes méchants ont conçu. That all that which wicked men have constructed. Tout ce qu'ils ont proclamé. All that they proclaim. Nous annulons les paroles. We cancel their words. Nous annulons les paroles. We cancel their words. Nous annulons leurs malédictions. We cancel their curses. Nous annulons leurs incantations. We cancel their incantations. Et nous brisons leurs œuvres. And we break their works. Nous dispersons tous les démons qui sont à leur service. We disperse the demons that are at their service. Qui est débandade totale. We bring total disorder. Une confusion totale. Total confusion. Dans le camp de l'ennemi. In the camp of the enemy. Une confusion totale. Total confusion. Une confusion totale. Total confusion. Dis oh Père. Say oh Father. Qu'aucun méchant ne dise. But no wicked one say. Ha ha, je les ai eus. Ha ha, I've heard them. Ferme la bouche. We close their mouths. Fais éclater ta gloire. We bring honor. En sauvant le malheureux. To bring down the wicked. Fais éclater ta gloire. Bring your glory. En libérant les prisonniers. To set prisoners free. Fais éclater ta gloire. Bring down your glory. En brisant les prisons. To break prisons. Fais éclater ta gloire. Bring your glory. En dirigeant tes jugements dans la mer. By bringing on judgment in the seas. Dans la mer, sous la mer. Under the seas. En dirigeant tes jugements dans les montagnes. By bringing your judgment in the mountains. Sous les montagnes. Under the mountains. Dans les rochers. In the rocks. Sous les rochers. Under the rocks. Oh Père. Oh Father. Manifeste ta gloire. Manifest your glory. En libérant les malheureux, les captifs. By setting the captives free. Dirige tes jugements dans les forêts. Bring your judgment in the forest. Dirige-les dans les savannes. Send your judgment in the savannah. Que l'ennemi soit jugé. May the enemy be judged. Just. Que les portes de prison soient brisées. May the doors of prisons be broken. Que les verrous de fer soient cassés, brisés. And the fetters of iron be broken. Dis prisonnier. Every prisoner. Captive. Captive. Sortez au nom de Jésus-Christ. Go out in the name of Jesus. Vous êtes libre. You are free. Vous êtes libre. You are free. Vous êtes libre. You are free. Dis, oh Père, say, oh Father, dirige tes jugements dans les abîmes. Lead your judgment to the abyss. Dans les abîmes. To the abyss. Dirige dans les abîmes. Lead your judgment to the abyss. Dirige dans les lieux célestes. Lead them into the heavenly places. Dans les lieux célestes. Into the heavenly realms. Dis au nom de Jésus. Say, in the name of Jesus. Que le ciel au-dessus de nous. May the heavens above us. Soit libéré. Be released. Que toute hauteur. May every height. Qui se lève contre la connaissance de Dieu. That stands against the knowledge of God. Soit rabaissé maintenant. May be brought down. Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de May nous. May the heavens of God be open over us. Que les armées du Très-Haut descendent, montent et descendent. May the host of the Most High God sans obstacle, sans obstacle, sans obstacle, sans obstacle. Without any obstacle. Et qu'il y ait des signes. And may there be signs. Qu'il y ait des prodiges. May there be wonders. Qu'il y ait des miracles. May there be miracles. Qu'il y ait des conversions massives. May there be massive conversions. Qu'il y ait le salut de tout un village. May there be salvation of all que des villages entiers soient gagnés à Christ. Entire villages be won to Christ. Que les idoles soient brûlées, jugées. May idols be burnt and judged. Oh Père, envoie la lumière. Oh Father, send your light. Envoie la lumière. Send your light. Envoie la lumière. Send your light. Prions en langue. Let's pray in tongues. Gori kalaba kora kaba kala kaba kaba.
Tu peux t'asseoir. You can be seated. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tout esprit qui a volé une bénédiction. Every spirit that has stolen a blessing. Si tu sais que tu as volé une bénédiction. If you know that you have stolen a blessing. Va-t'en maintenant. Go out now. Sors. Out. Et va-t'en. And go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Tu es jugé. You are judged. Tu es jugé. You are judged. Tu remets, tu pars. You give it back and you go away. Et tu ne reviens plus. And you never come back. Va-t'en vite. Go away quickly. Tout esprit qui a volé quelque chose à un frère. Every spirit that has stolen. Ou bien à une famille. From a brother or a family. Va-t'en. Go away. Va-t'en vite. Go away quickly. Kalabakashar galabakashar galabakasha. Kurabakashar galabakashar galabakasha. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Jésus t'a exposé. Jesus has exposed you. Jésus t'a exposé. Jesus has exposed you. Tu es venu pour voler. You came to steal. Tu es ton mensonge exposé. Your lie has been exposed. Il n'y a pas de bon Satan. Tu es venu pour voler. There's no good Satan. You have come. Va-t'en maintenant au nom de Jésus Christ. Go away now in Jesus' name. Karabakashar galabakashar galabakashar. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Tous ceux qui ont pris quelque chose à quelqu'un. All those who have taken something. Tu es jugé. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Va-t'en maintenant. Go away now. Tu laisses tout et tu t'en vas. And you leave back everything. Tu n'avais rien. You had nothing. Tu es venu pour voler. You came to steal. Tu es venu pour voler. You came to steal. Tu es venu pour voler. You came to steal. Tu es venu pour voler. You came to steal. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Jésus est venu pour libérer. Jesus came to set free. Toi, tu es venu pour voler. You came to steal. Tu le sais. You know it. Tu le sais. You know it. Tu sais. You know que tu es venu pour voler. Now you came to steal. Va-t'en, vite, vite. Go away quickly. Va-t'en, vite. Go away quickly. Tu laisses tout. And you leave back everything. Tu pars. And you go away. Et tu ne reviens plus. And you never come back. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Jésus Christ est le roi. Jesus is the king. Je libère tout ce qui a été volé. I release everything that was stolen. Que chacun entre dans son héritage. And I proclaim that everyone should get into his inheritance. Que chacun entre dans son héritage. May everyone get into his inheritance. Que chacun entre dans sa bénédiction. May everyone get into his blessing. Que le faux, le démon s'en aille. May the false one, the demon, qui s'en aille, qui s'en aille. Go away, go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Même si c'est l'esprit d'un parent. Even if it's the spirit of a relative. Même si tu lui as fait du bien. Even if you did good to him, que yes. Tout esprit méchant, every wicked spirit, tous les esprits humains, every human spirit, tes parents, your parents, qui veulent posséder quelqu'un, who want to parce qu'ils lui ont donné à manger, because they gave it to him, parce qu'ils ont payé ses études, or because they paid for à cause d'un bien, tu veux garder les captifs, because you did someone, va-t'en vite, keep them captive, go away quickly, va-t'en vite, go away quickly, va-t'en vite, go away quickly, va-t'en vite, go away quickly, nous libérons, we set them free, nous libérons, release them. Personne person tenu captive à cause d'un bienfait qu'on lui aura fait. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout payé à la croix. Tu ne dois pas tourmenter cette âme. Va-t'en maintenant. Go away. Sors. Ah.
Sors et va-t'en. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 In the name of Jesus Christ. Tout esprit d'un parent. Every spirit of a relative. Méchant pervers. Wicked and perverse. Qui possède une âme. Which possesses a soul. Parce qu'il a donné à manger ou bien acheté un habit ou bien payé les études. Because he gave someone something to eat. Tu ne resteras pas dans cette âme. You must stay in this body. Tu ne resteras pas. You must stay. Tu dois partir. You must go. Jésus te chasse. Jesus casts out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Jésus l'a sauvé. Jésus Jesus l'a sauvé. Jésus l'a sauvé. Jesus has saved him. Tu dois partir. You must go. Et tu ne voles rien par là. And you steal nothing. Tu right vas seul. You go alone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Tout esprit est pur. Every unclean spirit. Qui va tourmenter une âme. Which is tormenting a soul. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Même si c'est ton enfant. Even if it's your child. Biologique. Tu n'as pas le droit sur lui. Right. Jésus l'a sauvé et racheté. Va-t'en, vite, vite. Go away quickly. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ.